Bonsoir. Voilà donc une petite vidéo sur le remake, le remaster de Wonder Boy 3 qui est sorti très récemment sur PS4. Je sais pas s'il est sorti sur d'autres supports. Donc voilà, Wonder Boy 3, c'est un jeu que j'avais eu sur Game Gear. J'avais eu ce jeu sur Game Gear en fait et ouais, c'est un jeu que j'avais eu sur Game Gear. Et très clairement pour moi, ce jeu existait aussi sur Master System. Et pour moi, c'est le meilleur jeu qui est sorti sur, qui était sorti sur ces deux consoles, vu que les deux. Alors je sais pas, j'ai pas vraiment joué à la version Master System. J'ai surtout joué à la version Game Gear. Jeu que j'avais fini d'ailleurs. Mais ça remonte à super vieux le jeu, je m'en rappelle plus de rien. Et je pense pas qu'il y ait de différence parce que c'est clairement le meilleur jeu de la Master System. Alors. Ah, donc je peux passer les musiques en rétro. Et apparemment, si j'appuie sur. Attendez, je vais juste régler le son. Hop, c'était un peu fort. Et apparemment, j'appuie sur R2. Ah oui, non, mais c'est ça. Par contre, les couleurs sont différentes. Ouais, par contre, les couleurs ont l'air différentes. Je me rappelle, il me semble que c'était pas autant coloré que ça sur l'origine. Alors, voyons voir tout ça. Alors là, je remarque. Genre au bout de 30 secondes. Un truc assez gênant. Ouais, il y a sûrement juste un tout petit truc, un tout petit peu gênant. Laisse-moi voir le placer en mode rétro, voir si en mode rétro ça se ressent. Donc clairement, hop, ça faut lui donner deux coups à lui. Ah oui, je vois. Ouais, je l'ai fait ce jeu. Hein. Bon, j'étais gosse, mais je l'ai fait. Ouais, alors franchement, en fait, il y a un truc qui me gêne pas mal. Mais le remake a l'air d'être ultra bien respecté. Alors sans déconner, ça a l'air d'être super bien respecté, mais un truc qui me gêne. En fait, ils ont voulu garder même au niveau du gameplay. Ils ont un tout petit peu essayé de réadapter le gameplay un peu pas rigide. C'est pas un gameplay qui est rigide en fait. Dans ce jeu, le gameplay est très très glissant. Voilà, j'ai pas de meilleur terme à donner, mais le gameplay est très glissant en fait. Et ils ont essayé de. Vrai, ils ont retranscrit ça sur le mode moderne. Et je trouve que ça passe pas. C'est le seul truc qui me gêne pour le moment. J'ai surtout peur pour l'un des personnages qu'on joue après. Si vous allez voir. La patte graphique, franchement, elle me plaît bien. Après, bon, ça fait très. La patte graphique, en fait, elle fait très. Je trouve qu'elle fait très bande dessinée. Ouais, le gameplay en fait je trouve très franchement je trouve limite le jeu plus maniable en mode rétro qu'en mode qu'en mode ouais donc là vous allez voir le premier boss. Ah oui non mais c'est ça. Putain, ça me revient maintenant. Putain, les heures que j'ai passé sur le jeu sur Game Gear. Ah alors attends, est-ce qu'ils ont corrigé les hitbox toutes bizarres du jeu? Non c'est bon, même ils ont respecté. Putain, alors ça c'est vraiment un remake. Qui respecte vraiment, mais vraiment, ça c'est un vrai portage, c'est un vrai remaster HD dans le jeu, quoi. Je sais pas, sans déconner, quand tu as non, des remasters qui font de jeux, bah, le meilleur exemple que je peux vous donner c'est Shadow of the Beast. Pourtant, j'ai assez aimé le Shadow of the Beast sur PS4 parce que j'aime beaucoup la licence, mais putain, mais c'est pas Shadow of the Beast qu'ils ont fait sur PS4, c'est un bel jeu, voilà quoi, avec un bon OST. Mais là, c'est respecté, là, ils ont vraiment super bien respecté. Ah oui, non mais... Oui, l'OST c'est... Putain, arrête avec tes updates à deux balles. L'OST c'est vraiment ça. Et le truc, le fait de pouvoir switcher entre le rétro et le mode normal à la volée, c'est excellent. Mais le mode rétro, oui, je crois bien que les couleurs sont légèrement différentes. Même sans, le personnage était un peu plus obèse sur Game Gear.
Bon, ouais, on va finir ce boss. Mais ce jeu, c'est aussi... Alors, j'ai pas fait les autres de Wonder Boy. Mais ce jeu, c'est un petit peu l'ancêtre des Metroidvania aussi. Parce que le gameplay, c'est vraiment du Metroidvania et le jeu date de 89. Bon, après, il y avait Castlevania, Simon's Quest, Castlevania 2. Mais... Oh merde, je me suis fait toucher par ce con, je l'avais oublié, j'aurais dû passer en mode rétro. Donc voilà, non, le jeu aussi. Ouais, j'ai eu un trophée, j'ai réussi ma vie. Le jeu aussi, donc on va changer de personnage. Alors, si je me trompe pas, l'ordre des personnages qu'on va avoir, c'est en premier on a le dragon. Ensuite, c'est Mouseman, donc l'homme souris, avec sa hitbox absolument dégueulasse. Après on a l'homme poisson. Après je crois qu'on a le lion. Après le lion je crois que on... Je sais plus putain je sais plus. C'est pas un jeu qui est facile aussi. C'est vraiment vraiment pas un jeu qui est facile. Ah clairement je suis franchement vachement satisfait de ce portage. Mais c'est vraiment bizarre, je trouve sérieusement le jeu plus maniable en mode rétro quoi. Sans déconner. Et je sais que le jeu a aussi beaucoup de secrets, je me demande si je m'en rappelle de s'attendre là, il faut attendre. L'OST est pas dégueulasse. Je devrais peut-être attendre un petit peu. Syndrome speedrun. Il y avait des secrets dans le jeu, mais on va savoir où ils sont déjà. Donc là, il faut que je me parte à droite. À gauche, pardon, à gauche. J'ai pas une clé. Il faut y avoir une clé pour ouvrir cette porte. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, ça va s'écrouler, voilà. Insight, est-ce que je peux... Ah bah putain, même en... Eh mais sans déconner, ça c'est vraiment en portage. C'est vraiment en remake moderne de qualité, quoi, sans déconner. Attends, si tous les remakes d'anciens jeux... bon, Wonder Boy 3, Dragon's Trap, donc Wonder Boy 3. Donc là, il y a l'église. En général, c'était paumé. Attends, alors... Ah, je peux pas encore détruire ça. Ah, mais oui, mais il faut le pouvoir, je crois, pour détruire les blocs. Toi, si tu détruis le bloc, t'as une autre qui s'affiche. Là, il y a autre chose, il me semble. Non, ça, c'est... ah, ça, c'est le premier monde, non? Ouais, ça, je crois que c'est le premier monde. Ah, non, mais... Il me semble que le dragon était moins... était plus vert, pas vert clair, comme ça. Donc là, si j'utilise ça, je reviens au village. Ah non, mais c'est... Putain. C'est tellement... Ils ont tellement respecté même le placement des ennemis et tout. Bon, je peux aller sous l'eau. Parce que tu peux pas mourir dans ce jeu. Enfin, si tu peux mourir dans ce jeu. Mais tu peux pas mourir en tombant. Mais je crois qu'en bas, il y a rien. Donc, je vais passer directement. Enfin, de souvenir, il y avait rien. Parce que je peux pas encore nager. Il doit y avoir de l'argent ou des ennemis. On pourra limite passer dans l'eau. Enfin, je vais finir par tomber dans... D'accord. Okay. Le gameplay en fait est très très glissant. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais sûrement crever mais c'est pas grave. Moi j'aime pas du tout où cet ennemi est placé. Ah non merde, ça a utilisé une potion auto. C'est vraiment pas un jeu qui est facile donc... Ah mais non. Non je crois que là c'est la sortie en bas. Le problème du dragon, a l'air assez bien, mais en fait il est pas terrible. Ok, on a une sortie ici. Ah bah je suis mort! Comme une merde! Par contre, l'écran du Game Over, je n'aime pas du tout. Mettons l'écran du Game Over rétro. Si je tombe sur un cœur rouge, ça me redonne une potion. Ok, donc. Ah oui, je vais aller chercher. Il me semble qu'il y avait un truc là.
Ah mais laisse-moi passer. C'est une blague ou bien? Je peux. Je devrais pouvoir passer normalement. Voilà. Le mode rétro ça marche mieux. Donc là. Et un Earth Max Up. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ici? Attends. Non. Enfin, si je crois avoir autre chose, mais. Ok, on va juste aller voir le magasin d'équipement. Voir ce que je peux acheter. Donc, je peux acheter l'épée. Allez, prenons l'épée et le bouclier. Parce que, bien sûr, on a de l'équipement. Apparemment, c'est l'équipe le mieux tout de suite. Et on va essayer le premier stage. Alors déjà, c'est pas là, c'est là. Ah, j'ai plus de vie, j'ai plus de défense. Ça choque quand même entre l'aspect rétro et l'aspect. Mais bon, là, c'est pas le jeu qui a été. C'est pas une room, hein, c'est une RAM du jeu. C'est clairement le jeu qui a été. Je pense que le jeu a été recodé via. Je sais pas comment. Je pense clairement pas que ce soit une RAM qui a été upscale. Mais j'ai envie de dire, putain, pour... Ah oui, ça c'est des sous-items qu'on peut utiliser. Ah, mais quel autiste. Bon, ça me fait un peu d'argent. J'ai envie de dire, mais putain, pourquoi faites tous les remakes de jeux comme... anciens comme ça, quoi, sans déconner. Que tu puisses switcher entre les mains, là, franchement, c'est tellement... C'est tellement appréciable. Comme ça me fait penser à ce remake de Secret of Mana, enfin pas ce remake, pardon, cette compilation de Seiken Densetsu qui va sortir sur la Switch. Attends, je pars que cette console, elle va se planter. Mais en fait, ils ont copié les RAM, quoi. Ils sont même pas foulés le cul. Ça aurait été sympa de pouvoir switcher entre la version portable de Secret of Mana, franchement, que j'aime assez bien, même si je déteste les jeux sur portable. Et la version SNES, ce serait pas mal. Ah putain. Ce jeu aussi est sorti sur Switch, je crois. Je suis pas sûr. Et j'en ai un peu rien à foutre. Parce que je fais partie des grands haters de la Switch. Non, parce que. En fait, mon problème avec cette console. Enfin, j'ai tellement de problèmes avec la Switch que je vais pas. Je vais pas. Il y aura trop de salles si je commence. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi les gens s'y intéressent à cette console. Très franchement, il n'y a qu'un seul jeu. Ah, eux, putain, eux, ils sont chiants. Je les appelle... Voilà, eux, sont chiants. J'arrive pas à comprendre, en fait, l'engouement que les gens ont pour la Switch. J'arrive absolument pas à comprendre, parce que regardez les jeux. Et là, pour le moment, c'est la console, c'est juste une console pour faire tourner Zelda. Elle a aucun jeu original. Là, je peux acheter ça. Okay, je peux acheter ça et ça. Comme je suis en complétionniste, et je trouve franchement que c'est une console qui n'a aucun. Voilà quoi, qu'elle a rien pour elle. Tous les jeux qui sortent sont des jeux. Ce sont des jeux. Et je me demande un truc, genre si ça marche. Ah bah parfait. Là j'ai fait exprès de mourir, hein. D'ailleurs c'est ça que je voulais voir, je voulais vous dire. En fait, je vais voir si on crève, si je reprends au village, comme le jeu d'origine, avec l'équipement et l'argent que j'ai eu et la clé. Donc là, j'ai eu la clé. Et hop, ça marche. Non, je sais pas, le jour où la Switch aura des jeux vraiment qui me parlent. Et vraiment des jeux, pour le moment, le seul truc qui me parle un peu, c'est que c'est Noblade 2. Mais vraiment des jeux quoi, vraiment des jeux, plein de jeux. Là-bas à droite, je crois que c'est le volcan.
Ah putain, j'ai plus de flash. Ah, il est chiant, lui. Mais là, pour le moment, on a rien, quoi. Ah, le mec qui essaie de me vendre Zelda, il peut aller se rhabiller. Bon, le Zelda est plutôt cool. Franchement, il est plutôt cool. J'ai un tout petit peu joué. Mais non, quoi. Mais non. Je crois qu'il y avait un secret. Il y avait un secret ici. Alors attends. Ah, j'ai plus de. Ah voilà. Oui, on peut cracher du feu sous l'eau. Ce jeu était développé au Japon. Donc c'est normal. Je sais plus, il y avait quelque chose. Ah mais attends. Il y a une porte là. Mais je peux pas encore y accéder, c'est juste. Par contre, c'est moi, je prends pire. Ah mais non, parce que... Mais je suis con. La défense dans ce jeu, c'est quand même super important. C'est juste, la défense, c'est quand même quelque chose d'important dans ce jeu. Donc on va aller acheter la dernière pièce d'armure qu'il manque. Non, le menu est clairement... Combien je gagne de défense? Ah oui, je gagne 9. Donc, on va retourner là. On va pas faire trop long. Parce que c'est un jeu qui est quand même... Bah, si tu le connais, il faut quand même 5-6 heures, voire une dizaine d'heures. Je pense que la première fois, tu mets quand même plus d'une dizaine d'heures pour le finir. C'est quand même une excellente durée de vie, sachant que c'est un jeu Master System. C'est un jeu qui date de 89. C'est juste le passage secret, je dois une fois en pouvoir pour pouvoir... casser les blocs. Je sais même plus ce qu'il y avait. C'est de faire la zone du désert. Après, je crois qu'il y a la pyramide. Bref, le truc super classique. Le dragon, c'est pas le meilleur truc par contre, enfin le meilleur personnage. Parce que le problème, c'est qu'il a pas de bouclier. D'ailleurs, je crois que c'est le seul qui n'a... Ah bah d'accord, tu es quand même tombé. Ah, ces petites bugs. Laisse-moi remonter. Voilà. Bien sûr, l'autre ennemi arc pop. Vas-y, tire tes trucs. Deux. Je m'aurais invité de crever. Parce qu'en fait, quand tu crèves... D'accord. Arr. Quand tu crèves, en fait, tu recommences au village. Bon, tu perds pas tous tes items, ça c'est cool. Et tu recommences carrément au village. Je sais plus ce que c'est le prochain boss. Bon, c'est un dragon. Dragon. C'est le 4. Attends, je sais plus. J'aimerais bien arriver au boss. Je me concentre un petit peu, ça pourrait le faire. Là, je fais vraiment, vraiment le sac. C'est cool, je me fais un peu d'argent. Putain, je t'ai pas vu tirer. Je me fais un peu d'argent au passage. Attends, j'ai quoi comme épée sur moi? Oups.
Ah, je déteste quand les items sont... Les items alternatifs sont... sont sur rond dans les jeux où la touche pour annuler, c'est rond. Parce que tu sors du menu. Et... tu sors complètement du menu et... et t'annules trop vite et du coup tu utilises des items. Ça je trouve un petit peu casse-couille. Du coup faut prendre l'habitude de tout le temps mettre... les items... Ah bon, je vais passer par là. Les items... les items... enfin de mettre sur neutre. Ce serait excellent si tu pourrais laisser pile au milieu le truc en fait là pour vous voyez, ce serait assez cool. Attends, je déconne pas, le truc est plus maniable en mode rétro. Attends, peut-être qu'il y a encore un truc à gauche là, j'ai pas été voir avant à gauche. Ah, il y a une porte. Ah, voilà. Ok, de l'or. Cool. Il n'y a plus le système de... Attends, on va voir. Cool. Attends. Il y a bon... Ah, si, il y a toujours. Ah, non, non, c'est... Non, je me suis gouré de touche. Il n'y a plus... Il y avait un système de charme... dans le jeu d'origine. Et plus t'en avais, plus t'avais. Par exemple, un marchand, il refusait de te vendre des trucs. Mais si tu avais genre 50 de charme, il te vendait quelque chose. Si t'en avais 60, par exemple, il te vendait quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'ils ont enlevé ça. Peut-être qu'il y a toujours, je suis pas sûr. Peut-être que c'est une mécanique cachée. C'est possible que ce soit une mécanique cachée. La tornade. J'aimerais bien récupérer toute ma vie plutôt que d'or à utiliser la potion. Ah putain! Rendez-moi mes HP. Allez, de la vie? Non. Oh l'enfoiré. Ouais, droppez-moi de la. Putain! Ah! Eh merde, bien sûr, ça crame. Vous allez voir, maintenant j'en ai plus besoin, il va me dropper un cœur. Putain, ils sont super chiants ceux-là. Non, bien sûr. Ouais, parce que je suis full life. Ils sont... Ah, bah attends, je peux voir. C'est pas des plus passionnants. Il me semble qu'il y a. Je crois qu'il y a soit un magasin ou soit un coffre qui est caché là-bas. Même sans plus, c'était un coffre. Wow, comme il fait mal. Et par contre, la thune qui drop. Ah non, c'était un coffre. Ah ben, Earth Max Up. Cool. Putain, mais comme il fait mal, cet enfoiré. Ouais, c'était un cœur. Par contre, je vous avouerai que de sauter... que de sauter comme ça sur ces foutus blagues, c'est pas des plus passionnants. Attends, merde! J'ai pas vu la porte, j'aurais pu tenter de la prendre. Ah, d'accord. Bah c'est bon, mais non, on est... On sait. J'essaie de me concentrer de faire ce stage. Alors ces trucs là-haut. Je les déteste. Ouais, on va voir l'homme souris là. Je suis pas très très fan du gameplay de l'homme souris. À cause de cette hitbox légendaire. Ce serait assez sympa de me dropper des cœurs là.
Bon, l'argent aussi, c'est cool. Mais droppez-moi des cœurs. Bon, ce stage est court. Ah bah parfait, là, il y a un heal. Hop. Les heals sont très très chers, par contre. Faut vraiment les utiliser qu'en dernier recours. Parce que c'est qu'il y a une épée qui te permet de dropper plus d'argent, mais tu l'as pas immédiatement. La clé. Je déteste la petite musique que tu as quand tu chopes un item. Je sais pas, je l'aime pas du tout. Ah non, c'est maintenant la pyramide. Je déteste les grenouilles dans ce jeu. Elles ont un pattern tellement chiant. J'aurais tellement pu me casser en fait. Focus. Là je devrais pouvoir passer. Faudra juste que je raille le boss. Par contre je me rappelle plus du tout ce que c'est le boss de l'endroit. Ah, ça c'est chiant. D'accord. Mais... Ah! Yes, la life. Ça doit pas être très loin du boss là. Je crois. Je suis pas sûr. Ah mais putain, sans déconner, j'ai sauté par-dessus et je me suis... Ça c'est l'infirmerie. Ça je peux pas y aller. Là-bas je pourrais y aller. Là, la porte à gauche c'est un magasin. Je crois pas que je retourne à l'autre endroit pour acheter l'équipement qu'il y avait. Mais non. Bon, de toute façon. Je vais pas. Je vais. Ah! Bon, merde, on finit quand même l'autre stage. Allez, on retente une dernière fois. Mais après j'arrête, hein, parce que déjà j'avais décidé de faire une vidéo courte, genre 15-20 minutes, mais comme vraiment ce portage est vraiment très très bon, je me dis, on fait encore une dernière. Ça, vous voyez là, la prochaine transformation. Mais attends, franchement, cette mort était complètement pas fair play, là faut être d'accord. Clairement, j'ai essayé vraiment de sauter par-dessus, mais je tombais pile dessus, là, les trucs te font des dégâts, même si c'est pas actif, ça je trouve un petit peu con. On va se focus et on va y aller. Putain, mais... Vraiment calculé pour sauter en avant, ce truc. Bon, par contre, j'ai dit on se focus, mais là, je me fous en mode speedrun YOLO. Il y a une potion. Les potions sont très très rares. Enfin, les potions de résurrection sont extrêmement rares. Du coup, j'espère... Vas-y, 2, 3... Ah merde, j'ai sauté trop vite. J'espère que... Je crois pas que le prix du soin augmente. Yay, encore. Ah, puis cette fois, j'aurais pas besoin de... Yay, en sac. J'aurais pas besoin de... Attends, cette fois, ça drop de la life à la chaîne, quoi. Normal. J'ai combien de feu? J'en ai qu'un?
Il semble que je te rends beaucoup plus. Ou alors quand tu meurs, ça, tu perds tout. Tu perds tes sous-armes. Ok, c'est pas grave. On est déjà à nouveau dans l'entrée de la pyramide. Oups, mauvais côté. Ah! Sac de 27. Donc là. Mais carrément. Non, le prix n'augmente pas. Eh bien sûr. Et par contre, le prix dépend du nombre de cœurs que maximum que tu as. Attends, faut que je prenne la clé. Dépend du nombre de cœurs maximum que tu as. Même s'il te manque que 1 HP, le prix sera toujours 50. Etc. Voilà. Cette fois... Viens ici, toi. Ça fait quoi si... Non, tu peux pas revenir en arrière. Ça a pas changé. Bon, allez, droppez-moi de la life. Attends, grenouille. Bon, j'ai une potion de résurrection, mais... Comme je le dis, c'est un drop qui est plutôt rare et j'ai pas tellement envie de... l'use, saloperie de grenouille. Pourquoi je cherche vraiment à la buter alors que je perds plus de vie? Et ça drop pas d'item. Non, par contre, si je recrave cette fois... On laisse tomber, hein, on s'arrêtera là pour cette vidéo, cette découverte. Les remixes, le remix de musique sont vraiment pas mal aussi, hein, c'est vraiment parfaitement respecté. Bon, même sous l'OST, c'est pas le point fort du jeu. Hein. Parce que quand t'entends en rétro... Bon, c'est quand même bien mieux un remake, hein, parce que... Yay. Par contre, lui, attendez, est-ce que c'est lui que j'arrivais jamais à passer sans me faire toucher? Voilà, lui, y a pas moyen, mais y a pas moyen de... Je sais pas comment tu fais pour le passer, cet enfoiré. Bon, par contre, là, j'ai plus de life. Ah bah, j'ai réussi. Non, c'était pas lui. Yay. Life. Ah non, merde, il va en secret là, j'ai plus pensé. Ah, quel con. Mais, tu dois... Ah bah voilà, c'était là. C'est ici. Ouais, il y avait un secret en fait, il fallait sauter. Il y avait une porte à gauche cachée. Ah oui, je me rappelle de ce passe. Bon, potion, auto-potion, c'est pas grave. Merde, contre. Merde, je me plante. J'ai dit je me rappelle la technique pour le passer tranquille, mais je me plante. Voilà, j'ai réussi. Bon, contre. Arrêtez de faire le sac. Je me sens que c'était à gauche, complètement plus à gauche, c'était complètement safe.
Deuxième base de battue. Il est simple, ce base. Mais attends. Ah! Merde, j'ai oublié de sauter. Et là, je gagne le personnage à la hitbox la plus pourrie du monde. Enfin, ah, pardon, ouais, la hitbox. Alors, par contre, là, je préfère amplement la tronche que l'on foutu. Là, on dirait un truc que t'as pas envie de jouer, sans déconner. Mais sans déconner, regarde la hitbox de ses coups. C'est dégueulasse, quoi. Bon, par contre, il est pas... j'ai plus d'attaque, hein, qu'avec le dragon. Je me suis encore gouré de touche. Et puis, j'ai un bouclier, aussi. Et le bouclier, c'est pas là juste pour la décoration. Cool. Donc là, il y a deux portes. Voyons ce que c'est là. Ça, c'est le retour en ville. Bouclier d'encens. Ok. Et le bouclier est bien mieux. Ok, alors... ah bah attendez. Donc là. Après, de toute façon, il faut aller là-bas. C'est une zone forestière qui est assez difficile. Spécial, spécial en quoi? Ok. Donc allez, on avance jusqu'à la prochaine mort et on s'arrêtera là. Ouais, je me rappelle assez bien de cette zone. D'ailleurs, j'avais pas mal bloqué. Ouais, le bouclier, c'est pas juste pour faire joli. Tiens, là, il monte la flèche, je trouve la sortie. Ah, putain, mais je l'aime pas. Ah! Je suis franchement pas fan du gameplay de la souris. Hein. C'est clairement pas le plus cool. Donc là, on a un autre magasin. Acheter ça. Ah, mais il me semble... Attends. Il me semble que... Ouais, je suis pas sûr, mais il me semble que cette armure-là... Déjà, la défense... Hop, prendre ça. Ok, donc j'ai une meilleure arme. J'ai pas l'impression qu'il y a le système de charme qui soit encore présent. Allez, on avance jusqu'à la prochaine mort et on s'arrête. Tu vas pas tarder. Il me reste qu'un seul cœur. Puis moi, quand tu crèves l'argent, tu le gardes aussi. Ah! Putain, je suis étonné, je me rappelle encore vachement de ce jeu, quoi. Je me rappelle surtout des petits... dire la moitié. Jusqu'à la moitié, jusqu'aux 60, 3 quarts du jeu. Par contre, sur la fin, je me rappelle plus du tout. Je sais même plus ce que c'est le boss de fin ou autre. Je me rappelle ce que c'est le boss de ce monde. Je me rappelle encore même exactement de la technique que j'utilisais pour le battre, mais après ça, il y a l'homme poisson que je récupère, après je sais plus. Je sais plus trop après. Enfin bref, voilà, c'était Wonder Boy 3.
le remake. Et nous, on va s'arrêter là, donc parce qu'on a fait assez long. Et je ferai peut-être en let's play. Vu que j'ai dit que j'arrêtais les let's play, à part pour les let's play courts, les jeux que ça me tendra en. Peut-être que je ferai en let's play, mais après l'avoir fini une fois. Renouveau, donc ce qui fait que je l'aurai fini une deuxième fois. Ouais, donc bonne soirée.